Good morning, Aleiden, les Israël, aujourd'hui, le Nishmat, François Vajib Ben Khana, Janine Ruth, Batfordi, de Mazal Fredna, Claude Jombo Ben Shalom, et Ishaïa Ben Linda, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Seret Péa, Perek Vav, Mishnah Aleph. Bet Shamay Omrim, Hevker, la Aniim, Hevker. Ou Bet Yelel Omrim, Eno Hevker, Al Sheyufkar, Afla Ashirim, Kashemita. Kol Omra Sadeh Shel Kav Kav, Vechad Shel Arba, Ad Kabinu Shchacho. On a deux sujets dans notre Mishnah. Un, tout d'abord, en rapport avec les dons qu'il faut laisser pour les pauvres. Je traduis directement, Bet Shamay Omrim. Bet Shamay nous disent, Evker la'anim. Evker, c'est comme Hefker, avec un fait, un vet, c'est mitralef. Et donc, Evker la'anim, Evker. Ce que tu délaisses pour les pauvres, c'est considéré comme des minutes de propriété. Ou Beth Hillel Omrim, tandis que Beth Hillel me disent non, Eno Efker, ce n'est pas considéré comme un Efker. Achi Yufka, Afla Ashirim, Kashmita, jusqu'à que tu vas te défaire de ta propriété complètement, même vis-à-vis des pauvres, comme la Shemita. De quoi on parle? C'est pas compliqué du tout. Il y a un pasouk qui me dit, en rapport avec les dons des pauvres, la Aniv la guerre, ta Azov Otam. La Torah m'a dit, tu sais, toi le riche, que tu as un champ, tu as ta récolte, il y a certaines choses que tu dois laisser, la Aniv la guerre, ta Azov Otam. Tu le laisses pour le pauvre et pour l'étranger. L'étranger, le converti, en général, il n'a pas de parcelle en Israël. Et donc, dans ce cas-là, tu leur laisses leur part, tu leur laisses un petit peu de la nive, la guerre, ta azor otam. Donc, on a imposé de laisser les différents dons pour les pauvres, que lorsque moi, je suis le riche qui reçoit ma part, j'ai une belle part, je laisse un petit peu pour les autres. Mais si mon champ, avant que je le cueille, je dis, allez, je suis mafkir auto d'abord. Pour tout le monde d'abord, on va parler à l'autre extrême, que même Beth Hillel sont d'accord. Je suis mafkir complètement, je me défais de la propriété complètement de mon champ, donc c'est plus le mien. De ce fait, on est, c'est plus une récolte qui est imposée de PA, parce que dans ce cas-là, on est tous égaux face à cette PA, il n'y a pas des riches et des pauvres. On est tous, celui qui veut, il vient y prendre, il ramasse à lui. Donc du coup, comme la Torah, la Gemara nous dit, peut-être que le Batorah nous dit, et la Nimbelo la Shirim, je ne sais pas d'ici, mais en tout cas qu'on a le Yad Kulam Shava. On a tout, puisque tout le monde peut venir prendre, donc celui qui va décider d'en prendre, il n'est pas obligé de laisser pour le pauvre, parce que le pauvre, il peut venir prendre, il peut être propriétaire tout comme moi. D'accord? La taxe est imposée que pour celui qui a, qui possède, et il doit laisser pour le pauvre. Mais si le pauvre, il peut prendre la même chose que moi, au même titre, donc on n'est plus imposé de PA. De PA et de tous les dons du pauvre aussi. Ça, c'est l'introduction. Et ça va être ce que va nous dire Beth Shammai, Beth Hillel plutôt. Et c'est même déduit de la Shemitah, de l'chot de la Shemitah, le Efker est déduit de la Shemitah, parce que la Shemitah aussi, la Shvi Tishmetena, Untashta, c'est dit, que, pour t'apprendre que, en Shvit, tu peux imposer des tombotouma asrot sur ce que tu vas accueillir, parce que le pauvre, il peut venir prendre le même titre que toi. On a une marloquette maintenant, Beth Shammai, Beth Hillel, délicate, si jamais je ne me défais pas complètement de la propriété, je dis que je veux le donner que pour les pauvres. Il s'avère que maintenant, je n'ai pas encore changé, je ne me suis pas défait franchement, la propriété. D'un côté, j'ai laissé tous les pauvres venir posséder tout le champ s'ils veulent, mais j'ai pas laissé les riches venir prendre le champ. Est-ce que c'est suffisant pour être dispensé des dons pour les pauvres ou pas? C'est la marque 4 entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et là, justement, on va voir Beth Shammai qui va être plus mécal que Beth Hillel. Beth Shammai va me dire que si tu as Hefker, Hefker l'anim, Hefker, si tu t'es défait de la propriété juste vis-à-vis des pauvres, ça suffit pour considérer ça comme un Hefker qui est dispensé de tous les dons de ton Thomasot. Beth Shammai va me dire, c'est bon, tu as réussi à dispenser la tombe de Masrot de la sorte. Et Beth Hillel va me dire, non, pas du tout. Beth Hillel va me dire, c'est pas considéré comme un Efker, parce que concrètement, Efker, c'est que tu défais complètement la propriété. Si tu es encore propriétaire face aux riches, tu es encore propriétaire, donc tu es encore imposable des dons. Ce champ est encore imposable des dons à laisser pour les pauvres. Et de ce fait, donc c'est pas un bon Efker. Achiyufka, Aflashirim, Kashmita, jusqu'à ce que ça va être. Qui va être mafkir, qui va se défaire de toute pauvreté, même vis-à-vis des riches comme la Shemitah. Fin du premier sujet, qui n'avait pas tellement de rapport avec les lesquels Shicha ou Péa qu'on est en plein dedans, mais qu'on a rapporté, je pense, en rapport avec le fait qu'il y a Beth Shammai qui est plus mekel que Beth Hillel, comme ce qu'on a la suite tout de suite, avec cette fois-ci en rapport avec la Shichecha. Kolomre asadeh shel kav kav, ve'echad shel arbat kavin ou shrachou. On avait maintenant toutes les germes de blé du champ, il les avait fait avec un chiron de 1 kav. Un niveau de 1 cave, pour vous donner une idée, vous vous rappelez, FACA, cave, cave, log, beitza, on avait déjà dit log, beitza, beitza, c'est 56 cm3, le volume d'un œuf, log,
C'est Escalav Goudo, ouais, ça fait 6. Et donc là, ça va nous faire sur 4,24, un volume de 24 œufs. Ça, c'est un cave. Donc quand on avait l'usage de faire une botte, on parle d'une personne qui a fait des bottes de... qui avait des germes de blé chez lui dans son champ, quand il a que son champ, il a fait en général des germes de 1 cave. Ok? Il fait des germes, 1 cave, il ramasse comme ça, ouais, comme ça, il prenait, il fauche, il attache, il fauche, il attache. Il avait l'usage de faire des germes de 1 cave. Et il a pris une grosse germe, qu'il en avait une de 4 caves, 4 fois plus grande que les autres. Il a tourné comme ça, une très grosse botte, il a beaucoup de fauches, et il a après rattaché comme ça, il en a fait une grosse germe de 4 caves. C'est le cas. Kol omre asade shel cave, cave, tous les omarim du champ sont de 1 cave, ve'echad, mais une gerbe, il en a fait de arbaat kabin, il en a fait une gerbe de 4 caves, et il l'a laissé, il l'a oublié. Et la question est de savoir, est-ce qu'elle a un statut de shifrecha ou pas? Vous n'allez pas comprendre grand-chose pour le moment, mais d'abord je traduis, après j'explique. Bet Shammai omrim, eno shifrecha. Bet Shammai me dit, c'est pas encore une shifrecha, si tu veux, tu reviens la chercher. Ou Bet Yelel omrim, ils te disent, et Bet Yelel vont te dire, c'est une shifrecha. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas une donnée essentielle. C'est que combien de gerbes faut-il, jusqu'à combien de gerbes, on est obligé de laisser la shifrecha, à partir de combien de gerbes on peut venir récupérer ces gerbes. Imaginez qu'en fait, j'étais en train de ramasser mes gerbes de blé et j'ai laissé 10 gerbes de blé dans mon champ, sur place. Pendant que j'ai tout ramassé maintenant pour me lever et j'en ai laissé 10. Est-ce que c'est de la shifrecha ou pas? Et la réponse est que non. Jusqu'à maintenant, on a toujours évoqué que si je laisse une ou deux, c'est pas de la shifrecha. C'est une shifrecha, je suis obligé de le faire. Mais si j'en laisse 3, je suis pas obligé de laisser parce que dans ce cas-là, c'est pas encore une shifrecha. C'est trop conséquent. La Torah t'a dit les petits cadeaux, les petits oublis, tu les laisses. Les gros oublis, c'est un oubli trop conséquent, ça veut dire que tu n'as pas encore tout ramassé, tu reviens, tu reprends, tu ne laisses pas pour les pauvres. Ça, c'est une petite introduction qu'on a déjà évoquée quelques fois entre parenthèses, ça va être expliqué plus loin dans le Mishnah. Il faut savoir que Bet Shammai et des Cholek, ils discutent sur ça, ils disent que non, 1, 2 et même 3 tu laisses, 4 tu prends pour toi. D'accord? C'est une petite marque technique, on aura l'occasion de découvrir plus tard. En rapport à ça, Bet Shammai, ils ont pris un exemple particulier. Quand tu fais une très grosse gerbe, mais que ça s'appelle une gerbe. Alors là, on a une gerbe, mais qui en coûte comme 5. Allez, venons, on est plus large. Une gerbe gigantesque qui est considérée comme 5. Est-ce qu'on va dire que dans ce cas-là, bah, tu as oublié une gerbe, tu la laisses. Mais si c'est une gerbe qui équivaut à 5, 5 gerbes, c'est pas un oubli à laisser, tu as le droit de venir le rechercher. Alors on dit qu'on a une grande gerbe, on a une gerbe, ou bien on a l'équivalent de 5 gerbes, donc tu peux venir la chercher. C'est la marloquette qu'on a entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pour exprimer cette marloquette, alors on a pris un exemple d'une gerbe qui fait en fait 4 caves, 4 fois le volume d'une gerbe classique de ton champ. Parce qu'on a eu besoin de t'apprendre une douche que selon Bet Shammai, que cette fois-ci, puisque tu as laissé une quantité suffisante, que si tu les avais séparés en 4 gerbes, eh ben, ça aurait été un oubli que tu as le droit de venir ramasser. Donc dans ce cas-là, Bet Shammai va dire, bah, tu as le droit de venir le ramasser parce que tu en as 4. Si tu n'en avais que 3, ça aurait pas suffi de Bet Shammai. Donc Bet Shammai a dit que si tu as laissé une gerbe qui fait un volume de 4 caves, eh bien tu auras le droit de venir la ramasser de nouveau. C'est pas un oubli parce que ces 4 caves, c'est comme 4 gerbes. Bet Hillel va me dire, non, eh oh, c'est une seule gerbe, tu n'as pas le droit de venir la ramasser. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.